vais t'expliquer les règles du jeu. Un chasseur de l'arche débarque. Le chasseur de l'arche cherche la nouvelle arche. Le chasseur de l'arche meurt. Je l'ai tué. Tu vois le souci ? Toi, tu es toujours là. Donc, si tu pouvais me rendre service et te foutre en l'air, je t'en serais très reconnaissant. Merci, mon lapin. Salut à toutes et à tous, c'est Cardas, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode du deuxième DLC toujours de The Pre-Sequel. Donc on enchaîne pas directement, hein, il y a 3-4 jours hein, pour moi entre les deux épisodes et vous ce sera encore plus. Donc on est arrivé dans le subconscient, on vient de terminer la séquence sur Overlook qui était déjà plus sympa que ce qu'il y avait avant. Et donc ben, je continue directement. Petit truc que j'avais oublié de vous dire par rapport à ma tenue là, c'est une tenue que Gearbox a offert en gros pour à l'occasion d'Halloween. Là ils ont filé des codes pour les télécharger, juste comme ça pour ceux qui éventuellement se seraient demandé. Toc toc toc. Donc je continue. On va bien voir ce que ça donne. Des signaux bizarres droit devant. Ça pourrait être le code source H. Je mets à jour ton écho. Qui es-tu, homme à l'intérieur d'un homme ? Au sens large, je suis un acteur. Tu m'as peut-être vu dans quelques trucs. Ok, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est ça ? Avance, les signaux bizarres sont tout prêts. Donc cette zone déjà, enfin esthétiquement, elle est déjà un peu plus sympa que les autres. Je me bloque sur des trucs un petit peu space. Ces trucs doivent représenter la peur de se faire tirer dessus. Enfin esthétiquement. C'est juste que les couleurs sont un peu mieux. Par contre, ce qui est chiant, c'est que j'ai toujours pas d'ennemis plus puissants que ça. J'en suis vraiment désolé. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de challenges comme ça. Je pensais qu'en me mettant en parcours 2, enfin en parcours ultime 1, c'est-à-dire en parcours 2, que j'aurais un peu plus de challenge quoi, tout simplement. Faut que j'aille où comme ça. Je continue ce vêtement. Il y a quelque chose de réel ici. C'est pour ma garantie. Je serai gentil cette fois, c'est promis. Jack, alors question, est-ce que ça dépend du personnage qu'on a? Si c'est le cas, c'est pas mal. C'est pas mal. La vache, il y a trois missions là. Bon, je continue, il y a rien de spécial non plus. Jamais assez bien armé.
Amuse-toi bien, surtout. Merde, fonce là-dedans, dépêche. Bonjour, visage étrangement familier. Je peux te faire passer cette fichue porte, mais il faut d'abord me rendre service. Ça marche? Oui, bien sûr. Quel genre? Génial! Il faut sauver mon espoir et mon amour propre. Ils sont enfermés dans un endroit super flippant. Quand je les aurai retrouvés, je pourrai aller où je veux. Je marque le premier emplacement sur ton système Echo. Oh purée. Juste... Vas-y, joue le jeu. Je t'aiderai sur la route. Ok, je suis arrivé. Juste que je fasse gaffe de pas tomber. Oh mon Dieu, il y en a partout. Voilà. Ok. Alors, faut que j'essaye de reconnaître les trucs. J'ai peut-être pas tous les trouvés. Hein. J'en ai peut-être déjà loupé. Il triplex. Je sais pas si ça a activé le truc, on sait jamais. Ouais. Ouais, quand même. Il m'amoche un petit peu le truc. D'ailleurs, il va falloir qu'il se calme parce que. Est-ce qu'on pourra y aller après? Ça, ça a l'air d'être dans une autre partie. Je vais voir si je peux les choper par ici. Bonjour, je voudrais que vous me rendiez un service. Et promis, ça n'implique pas de ramasser des bouts de robots. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je voudrais que vous fassiez quelque chose pour moi. Tombez dans l'oubli à l'intérieur du cerveau de Claptrap. Je suis Patricia Tanis, pas la vraie Tanis, bien entendu. Je représente la curiosité de Claptrap. Fascinant, mais hors sujet. Cette unité contenait jadis un joli code qui vénérait une puissante divinité tombée dans l'oubli. Il paraît que le temple Badaboum contient un ancien artefact qui me permettrait, s'il existe bel et bien, de mieux comprendre les origines de la vie dans ces contrées. Évidemment, je vous dédommagerai pour vos efforts. Merci d'exprimer votre consentement avant tout. Ouais, on s'en tape. Filez-moi juste le pitch. Excellent! J'ai enfin localisé le légendaire œil de vision, une gemme capable de nous indiquer l'emplacement du temple. Hola! Faut pas aider Tanis, hein. Son pack de 6 a comme une fuite. Je représente la prudence de Claptrap. N'allez pas déterrer le passé, hein. C'est un endroit dangereux et impitoyable où l'on finit expulsé par un sas au moindre prétexte. Pensez-y. Bon, déjà, l'œil de vision, faut aller choper où? Là où on était tout à l'heure. Bon, on va continuer du coup la mission pour l'instant et puis on verra. Peut-être que je vous ferai un épisode comme j'ai déjà fait pour un ou deux DLC, je sais plus lesquels. Mais peut-être que je vous ferai une sorte d'épisode hors série où je mettrai une compile de plusieurs quêtes secondaires. Hop.
un sosie de sosie. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas du tout de challenge. J'étais quasi sûr de moi en... Oh la vache. Comment il m'a allumé d'un coup. Qu'en mettant en parcours 2, bah, j'aurais des trucs qui se calqueraient sur mon niveau quoi. Salut, super beau méga moi. Je viens chercher l'espoir et l'amour propre de Claptrap. Ouais, non, en fait, du coup. L'espoir et l'amour propre. Ouais. Tiens, un petit symbole. Bon, en gros, je les ai pris pour les rendre meilleurs. Comme au tout début, c'est Jack qui actionne la machine, de toute façon, qui nous envoie dans le subconscient, je sais pas quoi. C'est pour ça qu'on est dans celui de Jack. Donc, ce n'est pas en fonction du perso que j'ai. Ouf, la vache. D'accord. Viens par là. D'accord, bon, on va la jouer autrement. On est haut. L'espoir et l'arme propre. Je les suis. Mais ça, ça sentait le... Alors... Tueur à gage. Tu regardes, c'est pour moi ça. Non, moi c'est double. Alors tu regardes, c'est qui? Ça doit être. Tiens, double, j'en ai une. Bon. On continue. Hop. Cette zone, déjà, je préfère. Même s'il est un petit peu... Même s'il est un petit peu... Enfin, vraiment space. Comme le reste du DLC, mais ça a déjà un peu plus de personnalité, un peu plus de couleur. C'est déjà plus engageant que les autres... Enfin, que le reste du DLC. Par contre, là, je sais pas du tout où je dois me réceptionner. La vache. Ok. Attends. Ouais, c'est pas ce qui me semblait. Je vais reprendre ça, c'est à côté. Je veux un autre jack. C'est par là-bas. Trouve ça où moi? Trouver l'œil de vision. Et voilà.
faut que je rampe partout, je sais pas. C'est pas le bon Jack, Lena. Et voilà. Tu sais pas comment je m'appelle. Oh, on a réussi, les gars. Ouais, on a réussi. Bravo, le sbire. Ah, d'accord. Ah ouais, moi aussi, j'en... Bien, pour localiser le temple, vous devez poser l'œil de vision sur la tige du placement. Juste ciel, qui a pondu ces noms? Apparemment, il est censé dire sa vérité. Une métaphore boiteuse, je suppose, puisqu'il est avéré que les gens ne parlent pas. La tige du placement est sur un pic non loin de là. Je charge les coordonnées sur votre système écho. Non loin de là, ouais, t'as raison. Hop. Génial! Tu es bon humeurifié! Alors fais-moi entrer! Suis-moi! Ou devrais-je dire, nous! Bon là par contre, je reconnais pas de clin d'œil encore. Où est le robot inquiétant avec mon code source H? Je peux aider, mais d'abord il y a quelque chose que je voudrais te montrer. Ok, installation de chasseur de l'arche.exe. Oh, je suis tellement excité! Rendez-moi à nouveau génial, comme quand j'étais un robot ninja. Sauf que cette fois, je bosserai pour les gentils. Ferme ton clapet, papa se concentre. Et transfert terminé! Il te frappe par une condamne, monsieur Jack. Voilà ça, c'est ce que je vais voir. Tu vas enfin te rendre utile. C'est bizarre, mais je suis encore génial, hein? Je n'ai rien contre les séquences nostalgie, mais si on passait au moment où tu remets le code source H à mon chasseur de l'arche, s'il te plaît. Non, Jack, je suis ce que Claptrap aurait pu être, si ces protocoles d'insécurité débiles ne m'avaient pas flanqué en quarantaine alors que je n'avais que quelques cycles. Sans moi pour superviser son module Frattrap, son aptitude au combat allait forcément partir en vrille. Analyse en cours, je suis son seul ami ici. Il ne le sait pas encore, c'est tout. Maintenant que ton chasseur de l'arche m'a livré l'espoir et l'amour propre de Claptrap, je peux m'enfoncer encore plus loin dans son esprit. Ensemble, et avec un ou deux secrets du code source H, rien ne peut nous arrêter. J'étais peut-être pas censé descendre parce qu'il s'aligne à chaque fois devant là-bas. Regardez le souvenir, hein. Fascinant tout ça. À présent, va me chercher mon code source H, bon sang. Il faut que j'aille dedans, quoi. Ouais, j'ai aucune idée de ce qui se passe en dessous. J'arrive pas à voir aussi profond dans le code. On dirait... Je vous perds. Je suis désolé, hein, je me tais, mais... Ah, on est les trucs sont niveau 49 déjà. J'ai pas fait gaffe avant, mais il me semble qu'ils étaient 43, non? Voici dans le royaume du subconscient. Bientôt, il m'appartiendra. En avant, sexy. Ah non, toujours des ennemis 42. Bon, j'ai rien dit. Je suis désolé, hein, je me tais de toute façon, mais... que je suis l'histoire, hein. Essaie de pas être trop fort. Après, je l'ai trouvé. Je te remercie de ton sacrifice. Tu sais pas comment je m'appelle. J'ai l'impression que ça s'inspire des différents DLC de... Ouais, des différents DLC de Borderlands 2, c'est-à-dire que... Il y avait des trucs type Oasis et tout ça. Là, ça ressemble un peu au quatrième DLC, même si c'est pas... C'est pas un clin d'œil direct. Ça reste une inspiration, alors après j'en sais rien, on verra bien. Allez, on va
Allez, hop, on y va. C'est pas le bon Jack, les nazes. Je tente par là-bas. Il a l'air d'avoir un coffre. Et un symbole de l'arche. Alors ça, c'est vraiment beau. Hop là. Non. Sérieusement. Tiens, on peut pas se re-téléporter ici. J'ai pas fait gaffe. Alors bien joué l'ennemi 44 qui nous explose. Il va manger celui-là. Vache! Une petite promotion! C'est presque aussi bon comme faux Jack que moi! Je sais même plus si je l'ai activé du coup. Je l'ai activé je crois, mais j'ai pas pris le... Ouais. Mais j'ai pas pris le truc rose. Oh, on verra bien. Ça me fait des défis en attendant. Oh non, deux fois. Alors là... Je viens d'avoir un petit lag. Qui a fait que mon saut n'a pas fonctionné. Parce que par habitude, voilà, je fais tout de suite un double saut. Et bah, il a pas sauté. Donc il a foncé dans le vide. Bien joué. Ça, c'est plus que chiant. Alors, par ici. On va aller voir au-dessus. Rien de spécial. C'est pas si mal que ça, vous savez quoi? Là, franchement, cette zone, j'aime bien. Il y a juste toujours les ennemis. Bon, ça, c'est toujours les glitchs et autres machins. Je trouve ça moins intéressant que des vraies créatures, entre guillemets. Mais, bon. Mais j'aime bien. Il s'est cassé la figure à la Nakayama. Faut que je le suive. J'ai cru que je te retrouverai jamais. Je savais même pas que cet endroit existait. Mais me revoilà dans l'équipe. Parfait. La zone est grande, hein. Ah ouais, on est dans l'autre sens. Tu montes en grade. Un de plus. Bon, ce qu'il faut reconnaître en plus. Oh la vache. Ça, c'est une bonne idée, ça. C'est intéressant. Ça, c'est que je les vois pas. C'est qu'ils se téléportent, les machins. Je les vois pas apparaître, en fait. Je peux pas aller dans l'eau. Je suis plus là. Tac.
Bon, même si par contre. Attends. Même si. On dirait le claptrap magicien. Même s'il n'y a pas non plus énormément de challenge, au moins. C'est, ça reste nerveux quand même. Attends, il m'agace. Hop. Je suis revenu. Bonjour voyageur. Tu veux jouer à un jeu de hasard mortel? Pauvre Kiss. J'ai dit hasard, mais je perds jamais. Et quand je gagne, je prends tout ce que tu possèdes. Je suis méchant. Mais pour que ça ait l'air d'un jeu, c'est moi qui commence. Toi, t'attends ton tour. Bon, j'ai deux flingues ici. L'un est chargé, l'autre est vide. Celui-là est pour moi. Et celui-là... celui-là est pour moi. Bon, attends une seconde, je vérifie. C'était pas le bon. D'accord. Donc après je peux prendre celui que je veux. Bon, c'est du 41, donc on s'en fout. Ok. Je vais par là-bas parce que ça a l'air d'être encore une autre zone et ça a l'air d'aller sur le... Non. Sur... oui, c'est ça. Sur l'autre quête secondaire. Ah, j'aurais cru un petit défi là par contre. Pas grave. Ce pauvre petit robot, ça va être tordant. Creusons dans la petite conscience de Clappy, si on peut appeler ça comme ça. Où est sa peur la plus enfouie? Oh, comme je suis curieux, ouvre-la, ouvre-la! Des escaliers, méga terrifiants, mais... franchement, on peut trouver mieux que ça. Ouvre-la, ouvre-la. Salut, voyageur. Il a peur de lui-même. Mais on peut faire mieux que ça, non? Ça n'a pas l'air effrayant du tout. Le système affirme que c'est sa peur la plus enfouie. Alors vas-y, voyons ce que c'est. Allez, j'y vais. Ça, ça m'intrigue. Cabane de TK. Bah voilà, ça c'est du clin d'œil. Oh la vache, même le pire cauchemar de Claptrap est pourri. Ouais, peut-être que parler à ce bouseux détraqué mettra un peu de piment. Voilà TK. Alors là, normalement, évidemment, les inconditionnels de la série, vous aurez retrouvé directement. Qui est là? Tu sens le fric et la violence. Oui, je suis venu pour l'un et je suis reparti avec l'autre. La vie est une charogne. Eh ben, ça fait des lustres que j'ai pas eu de visite. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du jour où ce satané Skag a emporté ma Marianne bien-aimée. Dis, tu peux me rendre service? Ma schnitzel d'amour adorait ces fleurs qu'on appelle baisers du désert. Presque aussi jolies. Ça me ferait rudement plaisir si tu pouvais en remplir le vase qui est sur ce tombeau. Mmh. Ok, on fait ça vite fait, mais bon, c'est pas super passionnant, mais c'est juste pour le clin d'œil. Donc TK, évidemment, c'est un des personnages qu'on rencontre très très tôt dans Borderlands 1er du nom,
carrément. On le rencontre à nouveau dans le premier... Merde. On le rencontre à nouveau dans le premier DLC de Borderlands, premier du nom, le DLC zombie. Eh, mais je l'ai fait, là. Dans le DLC zombie, et voilà. Et bah après, dans Borderlands 2... Et dans Borderlands Pre-Sequel, il y a des... Il y a des suites par rapport à... au personnage, même si on le rencontre pas directement. Merci, merci et merci. Ça a été devenu effrayant. Je meurs d'ennui. Je mets dans le vase, oui. Merci beaucoup. T'es un vrai petit ange gardien. No problemo. Je me suis bien amusé. Marianne aurait adoré te rencontrer. Ma chérie, faut aller chez tu lui. Me manques un peu plus chaque jour. Je prie pour te revoir bientôt. Non, sérieux? La pire peur de Claptrap, c'est d'être tout seul. Rien d'autre. J'attendais au moins des tentacules. Ça, par eh bien, contre, oui. Je suis sa peur de la solitude des autres. Son cœur n'est pas tourné vers l'intérieur, mais vers l'extérieur, vers autrui. Ok. Ok, ça suffit comme ça. Mika veut juste retrouver son épouse. C'est vraiment trop demandé. Tu sais quoi? C'est ma conscience ici, alors on fait comme je veux. Alors, c'est un truc derrière la baraque. Titi, tu m'as manqué, mine petite écureuil. J'ai pas envie d'en entendre plus que ça. On sait tous comment ça doit finir. Alors tenez-vous prêts pour quelques rectifications. Message à tous les intrus. Préparez-vous pour l'extermination. Ouais, faut que merci je me casse. De votre coopération. Chasseur de l'arche, sauvé. Bien sûr, ça va être l'éclate. Tout va bien, Marianne. Je te protégerai. Défendre contre les qui? Infiltration dans le système, à tous les protocoles, lancement des sous-routines, meurtre, martyr, massacre. Oh non! Non, pas eux! Bravo le spire! Merci! L'autre passe. Tac. J'ai un espèce de... Okay. Oh là là, pas trop près. Mais j'ai peur que ma jambe s'envole. Merci. On était sûr. Merci et merci. Hop là. Quoi? Il y a des trucs intéressants dans ce DLC. Bon, après, c'est dommage que. Faudrait que je le refasse en parcours ultime 2, du coup. Hey, merci pour ton coup de main. Mais de rien. C'est par où? Alors attends. On va aller par là. Uh-huh.
aller par là. Bon. Aïe 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 aïe. Ça va plus. Je suis à combien de temps là? Je suis revenu devant, bah ça tombe bien. Faut quand même que je termine la mission de cette zone. Parce qu'on a dépassé la. On a dépassé la demi-heure. Non, franchement, cette zone j'aime bien. Là, ça confirme un petit peu la tendance de la fin du dernier épisode. Là, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Complètement. C'est qu'ils sont pénibles, ils m'expulseraient hors de la zone comme tout à l'heure. Hop, checkpoint. Mais c'est pas mal ici, c'est pas mal. Franchement, c'est bien. Puis par rapport au premier DLC, on peut pas lui enlever ça. Au moins, c'est carrément plus travaillé. Par où? Ouais, bah viens par là. On va s'amuser. D'accord, c'est son bouclier. Tiens, au tiens. Tac. Tac. Moi aussi j'en connais une de fréquence. Bon, ça c'est un mur. Il est où l'autre là? Toujours pas réussi à le choper. Attends, c'est pour aller où ça? La vache! Tu sais pas comment je m'appelle? Oh, on a réussi, les gars! Ouais, on a réussi! Cet acte de violence vous a été proposé? Tu te fatigues pour rien! Bientôt, je ferai voler la frontière de ce système de voilà. Je montrerai tac. De quoi je suis capable! Non, t'es complètement à l'ouest, petit robot tueur. Ta gueule! Est-ce que je peux monter là? Non. Ça, ils sont pénibles à exploser, à chaque fois ça m'éjecte. Super intéressant. Et pourquoi tu ne reviens pas me voir? Tiens, tu sais quoi? En fait, non. Ne reviens jamais me voir. Non, j'ai oublié. À moins que... Oui! Et puis non, j'ai encore oublié. Ta gueule! Toujours aussi méchant! Tout le monde est méchant avec moi! Moi, j'ai toujours voulu rendre service! Je sais que je foire tout et je suis désolé de lui sentir. De prendre mes bonnes intentions pour ce qu'elles sont, alors peut-être que vous méritez d'avoir une vie misérable. Voilà, je me casse. Ah, je peux pas partir, j'habite ici. Mais je peux vous lâcher. Est-ce que je dois... Une petite promotion. C'est pas le bon Jack, les nazes. Alors attendez, est-ce que... C'est bien ça, faut que j'aille là-bas.
que j'ai peur, c'est que on soit déjà pas loin de la fin, parce que là, ça sent la zone finale ou quasi. On va pousser un peu. Ouais. Bon. Je vais faire le plein de mun. Il y a rien. Hop. Voilà. Moi ouais, j'ai certains trucs bien pourris quand même. Si tu achètes ailleurs, je te fais assassiner. Parce qu'après en fait c'est que je me garde des trucs un petit peu voilà pour les défis. Un défi pour la broyeuse. Alors, ça sent le boss final, donc je pousse un peu. Vaincre les sbires, récupère le code sur ce H. Je vais percer toutes les couches du système d'exploitation. Tu n'as pas été de la puissance qui bouillonne là-dessous. Liberté. Si tu comptais m'arrêter, il va sûrement y avoir des trucs avec les plateformes électrifiées et tout. Content d'être venu celui-là. Non, j'ai pris l'arme. Ce n'est point ce que je voulais faire. Il est déjà mort. Tac. Désolé, je me concentre un peu, même si il n'y aura pas beaucoup non plus de challenge, comme d'habitude, sauf que, histoire de faire un gameplay à peu près potable. Tac. Ouais, ça je prends. On s'en fout. Ça je prends. C'est quoi que j'ai pris tout à l'heure là? Ah, c'est que... Ça drop les apparences à l'appel. Tac, ça c'est de l'esquive. Là ça y est, là ça cogne un peu plus déjà. Tac. Donc on s'en tape. Alors comme ça risque d'être la fin, je pense, enfin on verra. Mais si c'est déjà la fin, je vous ferai un ou deux épisodes hors série, comme je disais, sur les quêtes secondaires. Et puis, c'est pas parce que j'aurai terminé les let's play des DLC que j'arrêterai les vidéos sur Borderlands, parce que vous savez très bien que j'adore cette série. Donc déjà, il y aura Tales from the Borderlands, mais en plus, je compte passer au niveau supérieur. Varier aussi un petit peu le type de vidéo que je fais sur la licence. Donc, pourquoi pas vous faire des vidéos sur les boss secondaires, les armes légendaires, j'en sais rien. Tout le contenu qu'il peut y avoir.
Alors attends, je dégomme l'autre. Non. Voilà, puis là il doit être vulnérable. Par contre ça fait mal. Il se téléporte en plus. Moi j'ai toujours rien enlevé. C'est que des... Ah mais c'est lui là. Bon, évidemment. Ah oui, tu m'entends là? Ok, impec. Dommage qu'il soit mort, il avait un codage aux petits oignons. Récupère le code source H et reviens voir Tata. Hop. Je prends ça d'abord. Bon, je prends ça histoire de le revendre. Non. Attends, j'ai pas terminé. Ouais, d'accord. Oh, je suis plein. Mercredi. Hop. Bon, on va virer ça déjà. Et puis, j'ai 2-3 trucs à sélectionner. Voilà. Hop. Bon travail. Rejoins-moi sur le pont. Je fais le tour vite fait. Peut-être des défis, des symboles. Pas l'air. Bien reçu, papa. Papa, terminé. C'est bizarre de dire ça. Oui, c'est bizarre de dire ça, oui. Contre les ennemis. Ah, donc on revient bien à la zone de départ. Ça va être la fin du DLC. Enfin, du truc principal. Donne-moi ça. Merci. Fallait que je le récupère. Tu m'avais bien mis dans les cordes, mais tu te fies toujours à tes yeux. Hein ? Faut vraiment le faire en parcours ultime 2 parce que vu le tas d'armes que j'ai récupéré. T'as toujours pas compris le principe. Je peux projeter la forme de n'importe qui. C'est comme ça. La conscience de cette unité me remerciera de ne pas avoir laissé Jack s'en emparer. Je n'ai pas Jack. Je suis toujours dans Claptrap. Deuxième combat de boss. Ok, combat de boss version 2, intéressant. Je peux pas me téléporter. Bon, je vais faire de la place, si jamais je loot un truc. Vous voyez tout ça là, franchement, pour du niveau 43, ça m'a l'air assez intéressant quoi, donc il faut vraiment... Faudra vraiment que je revienne avec parcours ultime 2, niveau élevé. Je verrai tout ça. Là j'en ai 3 trucs comme ça.
Ça je vire, ça je vire. Double double, stingray stingray, buggy lunaire on va virer. Ça je vire, ça sert à rien. Ça aussi. Et puis ça, bah, je vais virer celui-là. Voilà. Allez, Banzai! Ça va chier. Approche! Viens te faire anéantir! Tu sais déjà que tu ne peux pas me tuer! Enfin! Je savais qu'on se retrouverait! Je t'ai invoqué! Oh! Notre heure est venue, mon frère! Rejoins-moi! Nous allons fusionner avec le code Source H, et ensemble, nous laisserons un sillage enflammé de glorieuses destructions. L'univers tremblera devant ces deux syllabes, la trappe. C'est vrai que ça a l'air cool. Nous allons priver Helios d'oxygène et terrasser nos ennemis. Tes faux amis qui passent leur temps à se moquer de moi et manigancent ta perte, ils mourront tous. Un simple high five, et c'est marché conclu. Tous ces gens vont mourir? C'est promis. Ils vont tous mourir. Oui. Non! Mais pourquoi ne pas trahir ces connards? Ils te prennent pour un moins que rien. Ils te trahiraient en un seul millicycle. Parce que ce sont mes amis. Alors tu vas mourir, quoi qu'il arrive. Dommage. Chasseur de l'arche, l'heure est venue. Je vais puiser dans l'énergie de la source de l'arche. Si tu le dis. Non. Oh, 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 sérieux? C'est parti. Alors, faut que je me rende compte déjà quelle tronche à l'arène, dans quel sens je peux bouger et tout. Histoire de pas tomber n'importe où. Hop 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 hop, ouais d'accord, bah faut pas... Quand je me suis fait allumer là. Bon bah il faut surtout pas rester immobile hein. On va passer de truc en truc. Alors, qu'est-ce que j'ai en électrique là? Ça sert à quoi? Pas non plus. Ça sert pas à me faire grand-chose de plus l'électrique. Allez, dégage de là, dégage de là. Vache, ça lui fait rien ou quoi? Ouais, non, ça lui fait que dalle. Qu'est-ce que je vais prendre à la place? Ça. Hop 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 hop. Il a des attaques un peu plus puissantes que les autres. Non, mauvaise idée, c'était pas là qu'il fallait que j'aille. Tac, on va passer par là-bas. En fait, c'est plus l'arène que le boss qui est chaud. Atterrissage réussi.
Il faut que je le teste ici. Je me concentre sur le boss parce qu'il faut que je garde les sbires pour réapparaître au cas où. C'est bizarre qu'il aille un peu qu'il aille plus loin dans l'arène par contre. Ah ouais, je m'en doutais. Ça va pas. Vite. Dangereux. Ah, c'est que ça me stoppe dans mon élan à chaque fois. Et je me prends un truc. Donc ça me coupe dans mes élans, dans mes mouvements, donc je risque de tomber aussi dans les trucs. Petit. Se barrer. Là, c'est mon corps interrompu, vous voyez. Je sais pas si ça se voit bien, mais. Barré par là. Descente achevée. Verticalisation. Oups. J'ai le vertige. Nitsaïsme. Je me casse. Non, il est pas là. C'est malin. Faut pas non plus que je m'éloigne trop des autres là parce que. Sans j'ai fait que dalle. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, c'est pour ça qu'il fallait que je reste pas loin des sbires et que je gardais ma capacité. C'est parce que j'ai possibilité de la lancer quand je suis en combat pour la survie. Sans, là j'ai aucune précision. On va faire avec ça. Ça me fait un peu plus mal déjà. Donc, c'est pas par là. On se barre d'ici. J'ai besoin de héros. Non. J'ai peur. Hop. C'est de s'en ressortir une fois qu'on est là. Bon déjà c'est pas le genre de bouclier qui se recharge. Je préfère
prendre mon temps plutôt que d'essayer de bourriner. On est parti de l'autre côté, c'est l'occasion. Je fais un coup critique. Oh. C'est pas possible qu'il me touche de si loin quand même. Allez. Voilà, je fais rien. Si j'arrive à lui faire des coups critiques, ça pourrait être pas mal, mais bon. Hop là. Pas par là, pas par là, pas par là. La vache, là, c'est quoi qui m'a comme ça? Lancement de la routine de ciblage. Allez, vont tous m'arriver sur la tronche. Putain, j'ai encore foiré. Ça, en plus, il peut mieux me voir d'ici. Lancement de la routine de ciblage. Pousse du photon qui brûle, chasseur de l'âge. J'ai du mal, j'ai du mal, j'ai du mal. Tiens, ouais. Oh zut. Hop. Ah, si ça m'interrompait pas à chaque fois. C'est à chaque fois à cause de ça que je me fais avoir. Puis en plus, maintenant, il est là. Donc maintenant, je suis un peu mal. C'est ça qui me met dedans à chaque fois. Hop, c'est le moment de se barrer. Oh non. C'est l'heure qui boucle. Allez. Bon là. Non 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 non. Pourquoi? C'est ça qui fait très mal. J'aurais dû attendre avant de le lancer. Ouais, j'ai fait que dalle. On va reprendre celui-là. Là déjà on est pas mal. Peut-être que je change un peu de crèmerie. Ça faut que je fasse gaffe. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Quand il m'interrompt, ça me laisse en l'air et puis je me fais tirer comme un pigeon. Il y a une course. Oh, c'est pas bien. Non. J'ai eu peur. C'était pas le moment.
avant d'avancer. Atterrissage réussi. On y arrive. C'est dangereux encore. Oh, du coup ça va faire un épisode un peu long, mais bon. Allez, tu vas y arriver. Non mais voilà. Bon, je me lance maintenant, je tente. Ouais, je tente d'allumer là. Ça. Oh. Allez quoi. Heureusement que j'ai encore mes leurres. Là. Ouais voilà, ça je m'en doutais. Et sauf que j'ai plus de mines. Alors où est-ce que je chope des mines moi? Bon, ça va être l'occasion, normalement ça pose le jeu. J'ai plus de munitions de pistolet. Bon, déjà, ça, c'est mort parce que je peux pas. C'est comme choisir entre deux jolies filles. Ou autre chose, moi je sais pas. Hein. Bon sang, je déteste ce type. Je vais prendre ça. C'est quoi ça? Tourelle. Oh là 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 là, il y en a partout. Et je trouve des trucs de mine. Là aussi ils sont morts. Bon voilà, déjà ça c'est pas mal. Ouais, la tourelle j'enlève que dalle. J'utilise ça pour les petits ennemis. On est en train de faire quoi là? Sérieusement? Comment je contre ça moi? Déjà faut que j'arrive à identifier l'ennemi. Où est-ce qu'il est? Eos. Putain, mais il y a plein de trucs. Ouais, mais ça il faut que j'esquive. Sans, je lui enlève que dalle à la tourelle. Non, c'est ça qu'il faut. Je suis
un peu à l'arrache. Hein. Non mais lui il vient me forcer ici. Là. Dégage de là, c'est pas le moment. Je suis mal. Bon, faut que je me concentre sur une. Sauf que je lui fais rien. C'est impressionnant. Pour esquiver son œil, hein, mais... sauf que je vais me faire avoir de derrière. Dépêche. C'est quoi qui m'allume? Je suis désolé, hein, je me concentre, ça va faire un épisode bien long. Hop. Ah, dégage de là, toi, c'est pas le moment. Je suis sûr de sang. On fait allumer par quoi? Tu sais pas comment je m'appelle, et presque si bon comme Faux Jack que moi. J'imagine pas trop le truc en parcours ultime 2 quoi. En fait. Donc j'aurais pas l'équipement qu'il faut. Sans c'est que. Tu vas livrer le code source H à Jack. C'est un sale type. Il est une fois plus que moi. Attends. C'est que. Il est en train de choper du bouclier encore là. C'est quoi ça? Pourquoi un génie de ma trempe devrait s'encombrer? Bravo! C'est tellement loin de vouloir l'admettre! Qu'est-ce que je fais là? Niveau d'agressivité dans le rouge! C'est peut-être pas si débile finalement cette histoire. Oh, il a rechopé tout son bouclier, c'est quoi ce délire? La vache! On a réussi les gars! Ouais, on a réussi! Bon, par contre, on voit tous les personnages. Enfin, on voit plein de clins d'œil. Attends, la routine de ciblage. C'est ce que disait l'autre ennemi tout à l'heure. Enfin, ça, faut que j'en garde au cas où je me fais avoir. Oh là 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 là, c'est le carnage. Top. Vite les doubles. Non mais il a combien de missiles tout ça? Non, je vois rien du tout. Je vois absolument rien. Est-ce qu'il s'est rebarré encore? Tu n'as rien d'héroïque. Je sais ce que tu as fait. J'ai tout vu depuis le début par l'œil de ce claptrap. C'est peut-être pas si débile finalement cette histoire de Sophie. Heureusement que j'ai ce pistolet.
Il est rendu. Pathétique. Vraiment pathétique. Merci. Bon, il est où? Ah, il y a la dernière tourelle là. Ah non, ouais. Ah non, je vais le faire. Je crois qu'il avait récupéré. Ah, d'accord, c'est qu'il a lance-roquette en plus. Ah là, je vais me faire allumer. Je vais me faire allumer. Je vais me faire allumer. Changer de crémerie un petit peu. On remonte. Oh là 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 là. Catastrophe. Non. 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 Chaque fois. Canon de tir lunaire, là c'est bon. Aïe 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 aïe. Il faut des... C'est le carnage. C'est les tourelles lance-roquettes là, je sais pas quoi. Voilà. On va faire surtout. Voyons. Là il est protégé. Non. Cours de munitions encore. On y va, on va récupérer des mines. Je pourrais l'allumer éventuellement avec l'autre, mais vu le temps que ça prend. Allez, 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 dépêche. On a 144 munitions d'un coup. Donc là, je me fais allumer. Non, ouais. C'est pas possible ça. Dépêche-toi donc. Non. Ah non, ouais. J'ai pas d'ennemis. Non, ça, ça arrive qu'à moi, quoi. Je... C'est toujours comme ça. Ah, c'est chiant. Je bute l'ennemi. C'est un missile qu'il a déjà tiré qui me tue. Du coup, il n'y a plus d'ennemis pour que je réapparaisse. C'est hyper chiant, ça. Hein. Faut que j'y retourne relooter. Tu vas voir que je vais pas pouvoir rentrer dans le machin. Bon, ça va. Ça c'est quand même chiant. Parce que là ça va, mais il y a des fois c'est arrivé que ça me le comptabilise pas. Hein. Bon. Ah, on est aussi. J'adore ça. Bon déjà, commencez par ramasser les pierres lunaires et la thune, histoire d'alléger un petit peu tout ça, et après on se fait plaisir. Alors, le problème c'est que c'est du 44 encore, hein. Enfin, du...
Sans arrêt maintenant. J'ai réussi un défi. On prend ça. Et puis de toute façon, je dois avoir des apparences à utiliser. C'est quoi cette grenade verte là? Ça, on s'en tape. Bon. Je suppose qu'il me reste comme place, donc on va vite fait prendre un autre truc. Truc violet quelconque. Selon la place que j'ai. Hey, c'est pas trop mal ce truc. Voilà. Et donc ben là, il faut que je me barre. Faut mettre le corps de source à Jack. Et voilà, c'était pas si compliqué que ça. Touche ce tableau sur la console, qu'il extrait le code source H de toi. Serre les fesses ou ce que tu veux, je te... Jackpot, mon pote! Tu as un employeur bénéficiaire très, très, très content. C'est pour ça que tu me payes, non? Et en parlant de paye... Tu m'as donné les clés du royaume d'Hyperion, les schémas ultra secrets de Tacitus, ces infos confidentielles et. Les lignes de code pour éliminer n'importe quelle chaîne de production. Par exemple, ces aberrations, ces insupportables unités claptrap qui me les brisent. Ouah! Juste quand je pensais qu'on pouvait pas faire plus dark, et puis. Pouf! C'est bon d'être le roi, baby. Histoire de mes origines. C'est pas réservé aux super-héros normalement. Et. Genre, t'as perdu tous tes pouvoirs à la fin? Il a raison. C'est une histoire d'anti-origine. Ah, bien sûr, vous pouvez le voir comme ça. Mais au bout du compte, j'ai appris quelque chose. Peu importe ce que nous réserve cet univers brutal, sans cœur et désespérément absurde, rien ne peut terrasser notre détermination quand on avance main dans la main, porté par notre esprit de fraternité. En bref, ce que je veux dire, c'est qu'on est une équipe. Et vous tous, je vous aime. La ferme, la frappe. Voyez ? Une équipe ! Non, sérieux, la ferme.
D'accord. En fait, je vais essayer de passer ça quand même. Sœur Hammerlock. C'est qu'on est d'humeur bagarreuse, hein? Voilà, et donc là, on en est au tout début de Borderlands 2. Apparemment. Ouais, j'imagine. Ok. Ok. Ce qu'on va faire, parce que là, il y a encore une autre quête. Où est-ce que je peux me téléporter ? Alors attendez. Parce que là, il y en a encore pas mal, quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais me téléporter à Concordia. Par où déjà ? Point 13. Je vais prendre la quête, on s'en fout. Bonjour surfeur de l'écolette. Je m'appelle HD Ketchup 3, prince héritier de Pandore, et j'ai une proposition commerciale à te faire qui pèse 1 000 milliards de dollars. Ramène simplement ton pitule de mémoire avec une copie de ce fichier dessus, et le tour est joué. Sauf si tu okay. es un de ces trucs si On va aller à Concordia. Et puis on va s'arrêter là pour cet épisode parce que là, voilà, on est déjà à 1h30, donc je vais conclure assez vite. Un DLC qui s'améliore sur la fin, qui est pas si mal quand on le compare évidemment au premier DLC, l'Holodome, qui était vraiment bof. Donc là, de ce que j'en ai vu pour l'instant, c'est-à-dire juste la campagne principale, ben voilà, ça s'améliore sur la fin. La zone du subconscient qui est pas mal, des clins d'œil un peu partout, ça c'est pas mal. Et puis son lot de quêtes secondaires quand même, hein, parce que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, il y a déjà une dizaine de quêtes secondaires. Donc je vous ferai un épisode, au moins un épisode hors série, un petit peu sur quelques quêtes secondaires du DLC. Et puis voilà quoi, donc un DLC, bon, pas super, parce qu'en fait, si on le compare, si on prend The Pre-Sequel tout simplement, sans parler du reste, c'est un DLC qui a l'air plutôt pas mal. Quand on le compare au DLC du 1 ou du 2, évidemment, bon, en tout cas de ce qu'on en a vu pour l'instant, c'est pas génial. Donc je vais vous faire un hors-série sur les quêtes secondaires, comme ça je pourrais vous donner un avis un petit peu plus complet, parce que j'en aurais vu peut-être pas 100%, mais une bonne partie. Et puis hormis ça, bah, du coup on va se retrouver sur Tales from the Borderlands bientôt, et puis sur d'autres vidéos sur Borderlands 2 ou Pre-Sequel. Et puis ben voilà, si vous avez fait le DLC, n'hésitez pas, ou si vous les avez vus donc tous les épisodes, n'hésitez pas à donner votre avis. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut. Attendez, pendant que j'y pense, c'est pour ça qu'on était venu à Concordia, c'est juste que je vous montre les quelques apparences que j'ai gagnées du coup. Alors, Pierre Calciner, ok. Ok. Puis ben c'était tout, je crois. Ok. Bon, rien de plus, hein, de toute façon. Après, c'est quelques légendaires, quelques armes légendaires. Donc, il y a pas mal de trucs. Il y a ça. Et il y a ça. Sauf que c'est du niveau 44, donc évidemment, voilà quoi. Ok. Bon, bah, cette fois-ci, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut.